Bonjour tout le monde, bienvenue sur Chanel Infirmière en action. Nous venons porter une information pour aujourd'hui, hein, parce que ça fait des jours, plusieurs mois même, nous t'ai parlé ou de un programme humanitaire Canada qui t'a annoncé que il y a prend 15 000 migrants parmi eux, Haïti, t'es là-dedans. Alors, comme nous connaissons sous Chanel Infirmière en action, information que nous portons pour nous parler avec vous de tout ça qui a rapport à prévention dans la santé, nous traiter des sujets sous thème ça pour c'est thème primordial Chanel Infirmière en action et en parallèle nous porter quelques autres informations pour tout le monde qui a gain intention soit tu as fait un voyage pour aller travailler à l'extérieur, pour aller étudier à l'extérieur. Nous-mêmes, depuis nous joignons l'information, ça y est, nous partageons également avec vous. C'est notre optique ça qui fait que vidéo que nous t'ai fait il y a quelques mois, nous t'ai parlé de programme humanitaire Canada, à côté que Canada t'a annoncé que l'État prend 15 000 migrants. Nous-mêmes, nous pas de jamais gain l'autre update par rapport à l'information ça. Nous t'ai même pensé que, voilà, c'est une information que nous pas t'a gain de suite derrière, malgré que c'était une information qui fiable que l'idée. C'était des informations qui étaient sorties dans source gouvernementale canadienne. Moyennant, nous pas de gain qu'un autre update, qu'un autre retour par rapport à l'information ça. Eh bien, là, du coup, nous, côté pour vous, quelques informations importantes dans la vidéo, ça, vous pourrez louer. Est-ce que vous-même, vous êtes capable de bénéficier de programme humanitaire 15 000 migrants Canada? Bon, nous pas essayer d'étaler trop, nous allons venir directement avec vous sous information, hein? Comme d'habitude, n'a pas laissé lien hein, pour nos commentaires là, n'a passé vraiment à la va-vite sous lit, mais au même, on est capable de prendre le temps, on est capable de prendre soin pour véhicule, en fait, pour lire toute information qui gagne là-dedans. On a essayé juste de présenter aux informations qui sont nécessaires, yo, et puis ou même ou capable de faire lecture par ou avec tête reposée. Les gagnants ministres, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté au Canada, qui c'est Monsieur Matt Miller, lui-même qui fait déclaration ça. Nous, à côté que lui marqué Ottawa le 10 octobre 2023, ça veut dire c'est une information qui tombait hier. Monsieur ça, il déclarait pour le dire que année ça, puis bon, en début année, il a été annoncé que vous avez accueilli sur une base humanitaire 15 000 migrants, côté que vous pas de l'autre information sous lit. Il a dit 15 000 migrants, ça y est, l'a sorti dans l'hémisphère occidental là. OK. Côté que vous t'ai dit, à ouvrir des voies de possibilités économiques pour le Canada capable d'accueillir Mounsayo sur une base humanitaire. Et côté que Mounsayo eux-mêmes, leur rentrée au Canada, il y a pas de possibilité pour bénéficier de une résidence permanente et un travail. Yo vini pour yo ba nou plus détails, plus informations sous programme ça que yo même yo t'ai annoncé 15 000 migrants. Yo dit que yo comment dire, yo t'ai déjà accueilli pas mal de monde dans différentes villes, dans différents pays, dans différentes régions. M'a parlé sur information qui est plus importante, comme on dit, nous m'a laissé lien pour nous. Il dit comme ça que il a annoncé jeudi, en fait parlant de hier, il a annoncé jeudi que dans le cadre d'engagement que yo t'ai prend pour yo t'ai accueilli 15 000 migrants en provenance des Amériques. Et yo dit que Canada l'a accueilli 11 000 ressortissants étrangers colombiens, haïtiens, vénézuéliens au moyen d'une nouvelle voie humanitaire d'accès à la résidence permanente. On va juste mettre en surbrillance comme ça là, nous-mêmes nous capables. Mais là, Odile, j'annonce aujourd'hui que dans le cadre de son engagement d'accueillir 15 000 migrants en provenance des Amériques, le Canada accueille jusqu'à 11 000 ressortissants étrangers colombiens, haïtiens, vénézuéliens. Alors, nous, bien évidemment, Haïti, lui-même, les figurer parmi ensemble de pays, ça y est, qui a bénéficié du programme 15 000 migrants, ça. Il dit, dans ces jours automnants-là, OK, ressortissants étrangers colombiens, haïtiens, vénézuéliens,
en Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, là, qui gagnaient famille au Canada, OK? Voilà, mais qui conditions, en fait, qui gagnaient, parce que ce n'est pas vraiment tout le monde capable qui a bénéficié de programme humanitaire 15 000 migrants, ça. Ils ont dit comme ça que c'est moun qui gagnait, qui fait partie d'une famille élargie au Canada. En fait, comme tu as expliqué, non? Ils ont dit comme ça que moun qui est capable, admissible pour programme, non? Il faut que moun qui fait demande l'emploi, il faut que c'est un moun qui vive au Canada, qui gagne une résidence permanente au Canada, ou sinon qui c'est un citoyen canadien. M'appelle pour nous en français, ça plus facile, ni pour moi-même, ni pour vous. Il a dit, cet automne, les ressortissants étrangers, colombiens, haïtiens et vénézuéliens en Amérique centrale, en Amérique du Sud ou dans la Caraïbe, qui ont la famille élargie au Canada, seront admissibles à cette nouvelle voie d'accès. Pour être admissible, le principal demandeur doit être l'enfant sans égard à son âge, le petit enfant, l'époux ou l'épouse, le conjoint ou la conjointe de fait, le parent, le grand-parent, le frère ou le sœur d'un citoyen ou d'un résident permanent au Canada. Alors, en détail, il a dit que, quoi que soit, c'est un petit tout. C'est vous-même ou c'est maman ou bien petit tout au Canada, là, qui a entré où, OK, sans égard à son âge, c'est ce qu'ils ont dit. Si ces petits-enfants ou bien qui vivent au Canada, ou même ou ces grands-nés, là, qui a entré où, ou bien ou même sous ces grands et vice-versa, ou bien petits-enfants au Canada, là, qui a entré où. Si c'est mari ou madame qui au Canada, par exemple, Marie au Canada, Madame non, Haïti la capable ou vice versa, ok? Conjoint ou conjointe de fait, ça veut dire si ou bon moun côté placé ensemble avec lui et puis moun nan la rentrer ou aussi, sou gen yon parent ou yon grand-parent ou yon frère ou yon sœur, ok? Mais à condition que pop moun sa li gen au moins yon résidence permanent au Canada ou bien moun nan li se yon citoyen canadien. Si moun nan li pa gen statut sa yo, li pa kapab rentre yo. Si se pa kondisyon sa yo ki reyuni, ou pa kapab fe parti de program nan. Sa ve dire si ou pa yon frè, ou pa yon sè, ou pa maman, ou pa kou, ou pa konjoint, ou pa plase a moun nan, sa ve dire ou men ou pa kapab fe parti de program sa. Pour l'instant, nous n'avons pas gagné l'autre information. Encore, c'est seulement information ça y est, que nous gagnons. Nous n'avons pas d'où plus que ça. Mais attention avec fausses informations que vous pourrez recevoir. Il suffit que vous même vous fassiez propre recherche par vous, parce que site gouvernement est accessible pour tout le monde. C'est Canada. .ca, www.canada.ca, immigration, réfugiés, citoyennes. Voilà. Ou qu'à juste taper www.canada.ca et puis on va aller dans la rubrique côté qui marquait pour information qui te baille dans date 10 octobre. Là. Il dit que les demandeurs dont la demande est accueillie se feront offrir des services avant l'arrivée, améliorés, y compris une évaluation des compétences professionnelles. Tout ça, c'est à l'arrivée que vous pourrez le faire, tout tralali et tralala, ça y est. Alors, en plus de donner suite à notre engagement d'accueillir 15 000 migrants, nous continuons de jouer un rôle actif dans les enjeux de migration et de protection. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, du coup, voilà, m'appelez ces liens pour nous dans description vidéo. Nous-mêmes, n'a pas fait si lecture personnelle, pas nous. Maintenant, moi-même, ça me déca conseiller au monde côté capable de faire. Préparer tout document qu'on est capable important. Ou mettez au là, ce qu'on a gagné, on vit frère au Canada, ou qu'on a gagné maman, ou qu'on a gagné
On est au Canada, bah, ça y est, du coup, mets ton crêpe, ce qu'on entend, petite, petits enfants, grand tonton, bah, grand, excusez-moi, dit tonton, c'est tonton pas la donne. Alors, toute liste, non, ça y est, que moi, t'es sorti, cité là. Alors, si vous faites partie de yo, du coup, ou même, ou capable, participer dans le programme, ça. OK? Yo, du enfant, petits-enfants, époux, épouse, conjoint, conjointe, conjoint de fait, parents, grands-parents, frères, sœurs, voilà, nous avons laissé un citoyen canadien, les gagner résidence permanente, ça veut dire qu'on est capable de participer. Mais si nous n'avons pas de statut, ça y est, les papas qui ont fait époux, peu importe que l'été frère ou peu importe que l'été, je sais pas, ça a été pour suivre condition qui stipulée dans l'information. Si nous n'avons pas de statut, ça les papas capable faire participer dans le programme 15 000 migrants que les mêmes gouvernements Canada lui offrit avec tout ensemble de pays ça y est, côté que Haïti lui fait partie de yo. Alors, c'était un plaisir pour nous t'époter encore information ça pas où. Information ça l'irrité dans le cadre de recherche que nous fait, non pas inciter personne monde à comment dire à suivre information, ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent volonté pour se déplacer, tout comme aussi des gens qui pas c'est pas important pour eux, nous d'accord, mais c'est tout comme aussi des gens qui attendent information ça, nous pas écarté possibilité côté que nous-mêmes nous jouons l'information, nous partager ensemble avec vous. Voilà. C'était un plaisir d'apprendre l'autre vidéo et comme nous toujours disons sous Chanel là, prenez soin de vous surtout et nous disons à très 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 vite et à très bientôt pour un autre partage, pour un autre vidéo dans le même style là, soit sur un sujet sur prévention dans la santé ou soit sur des informations complémentaires par rapport à opportunités, voyages, études. Comme nous toujours faisons sous Chanel là. Nous disons à très bientôt. Napoué, dans une autre vidéo. Et prenez soin de vous. Surtout, pas oublier d'abonner à Chanel là si c'est la première fois que vous venez sous Chanel là. Ciao, ciao.